Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le phénix. Donc la dernière fois, nous avions fait cette partie-là et nous allons voir maintenant le crochetage en gros plan tout de suite. Juste avant, pour les personnes qui tombent directement sur cette vidéo, je vous précise que le phénix n'est pas un modèle pour les débutants et qu'il faut avoir fait certaines étapes de cours avant de pouvoir le commencer. Alors pour commencer ici, je vais enlever les deux épingles qui sont dans la partie jaune de grille de dessous. Donc là, j'ai fait mes deux croisements de chaque côté. Donc je vais prendre ma 3 et 4e paire. Donc là, le dernier croisement du centre. Donc je fais point fermé. Je fais mes torsions. Donc je fais la partie droite. Donc, toujours comme on a commencé. Et ensuite, dans le premier trou, là, je vais crocheter la paire qui est le plus à droite. Ensuite, je prends la partie de gauche. Donc, de mes trois paires, je prends la troisième. Je vais à gauche. Donc là, plus besoin de faire l'épingle à 4, hein. Vous mettez l'épingle à 2, vous retournez au centre et avec cette troisième paire, vous allez la crocheter elle aussi sur la partie jaune dans le trou juste en dessous de l'autre qu'on a crocheté. Vous faites passer un fil meneur dessus. Vous remettez l'épingle. Ensuite, vous prenez les 6 de gauche. Vous allez faire un rouloté juste pour les terminer. Vous pourriez éventuellement garder 4 pour faire l'intérieur ici. Moi, je vais le faire certainement d'une autre couleur. Je n'ai pas encore décidé, donc je préfère les arrêter. Donc, vous faites un voire deux rouletés avec la partie de gauche. Ensuite, vous prenez les 6 fuseaux de la partie de droite. Et pareil, même chose, vous faites un rouloté. Une fois que c'est fini, vous coupez et vous pouvez enfoncer les épingles. Ensuite, on va voir cette petite partie. Donc j'ai préparé pour l'instant 10 fuseaux rouges et 2 paires d'orange, donc 4 oranges. Les oranges en fait vont faire meneur et l'épingle à 4 sur le côté. Et les 10 rouges, donc je ne sais pas si réellement j'en aurais besoin de 10, mais j'en ai préparé 10 pour l'instant, vont faire donc la partie ici de gauche. Donc vous mettez l'épingle tout en haut, vous accrochez vos fils. Alors sur cette épingle, j'ai placé mes fuseaux rouges à gauche et mes 4 oranges à droite. Donc je vais faire déjà 2 torsions sur ceux de droite, 2 torsions sur ceux-là. Et les rouges, les premiers rouges, là, je vais faire aussi 2 torsions. Je vais prendre cette paire-là, donc ça correspond à 1, 2, 3, 4, 5, à la 6e paire, et je vais à gauche. Point fermé, je vais faire 2 torsions sur les meneurs et 2 torsions sur les rouges, parce que ce fil-là, je tiens à ce qu'il soit isolé, comme sur le modèle. Ensuite, je vais à gauche en point fermé, donc point fermé, point fermé, point fermé, et point fermé, 2 torsions, une épingle, vous avez le trou d'épingle. Et vous tirez. Ensuite, les meneurs sont à gauche, vous allez à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, vous faites 2 torsions sur les meneurs pour repasser les rouges ici qui sont déjà en torsion. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Vous allez faire passer maintenant les oranges. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire et épingle à 4. Vous prenez donc l'avant-dernière paire pour retourner à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire, donc les rouges et les meneurs. Et ensuite, avec les oranges, vous continuez vers la gauche en point fermé. Point fermé une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Le tout sans torsion. Ensuite, vous arrivez en bout de rangée, vous faites par contre vos torsions de bout de rangée et vous mettez l'épingle. Vous tirez bien,
Les meneurs sont à gauche et vous allez à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Deux torsions sur les meneurs, c'est pour isoler les rouges, hein, je vous le rappelle. Ensuite, point fermé sur les rouges, deux torsions sur chaque paire. Point fermé sur les oranges, deux torsions sur chaque paire, épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire, c'est-à-dire que là, la paire d'orange, vous la laissez de côté. Vous prenez l'avant-dernière paire et vous allez vers la gauche. Point fermé, deux torsions sur chaque paire, donc les meneurs plus les rouges. Et vous continuez vers la gauche en point fermé. Vous arrivez en bout de rangée, vous faites deux torsions, vous mettez une épingle et vous retournez à droite. Toujours de la même façon. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Deux torsions sur les meneurs. Point fermé sur les rouges, deux torsions sur chaque paire. Point fermé sur les oranges, deux torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Vous prenez l'avant-dernière paire et vous retournez vers la gauche. Point fermé, deux torsions sur les rouges et sur les meneurs. Et vous retournez vers la gauche sans point fermé. Sans torsion, juste en point fermé. Une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Deux torsions. Une épingle. Je fais un dernier passage avec vous et il faudrait faire la même chose jusqu'en bas ici. Je vous montrerai le crochetage en gros plan. Alors, les meneurs sont ici. Je vais à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Deux torsions sur les meneurs. Je passe les rouges. Point fermé. Deux torsions sur chaque paire. Je prends les oranges. Point fermé. Re, deux torsions sur chaque paire. Je mets l'épingle à 4. Je reprends l'avant-dernière paire et je vais à gauche. Point fermé, deux torsions sur chaque paire. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous arrivez en bout de rangée, deux torsions, une épingle. Donc épingle à 2, hein, j'ai oublié de le dire depuis le début, mais ça se voit bien sur le modèle. Et donc là, on commence à voir qui se dessine l'épingle à 4 sur le côté en orange, un fil un petit peu isolé du reste en rouge avec les torsions au milieu. Et on arrive aussi à distinguer le meneur qui fait la navette. Comme il est en orange, il ressort bien. Voilà, donc vous faites ça jusque là et on se retrouve pour le crochetage. Alors ici, j'ai mis ma dernière épingle à gauche. Je suis retournée à droite, mais avec mes meneurs qui sont là, en avant-dernière position, je n'ai pas pris la dernière paire de orange qui se trouve là, parce que je vais l'arrêter avant. Donc cette paire d'orange, je vais certainement même l'arrêter sur cette épingle-là. Ensuite, je fais un nœud dessus et je la laisse de côté, on la terminera plus tard. Donc ensuite, d'ici, je vous le rappelle, je suis allée à droite avec ma paire de meneurs que je vais crocheter juste à côté. Ensuite, je passe mes deux fils derrière l'épingle et je vais retourner à gauche. Donc cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de faire les torsions entre. Vous allez à gauche en point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. Et ensuite, vous allez recrocheter la paire de meneurs sur l'épingle d'à côté. Voilà, ensuite, donc vous allez pouvoir terminer, donc vous les prenez tous deux par deux et vous faites simplement des petits nœuds. On va terminer comme ça. Ensuite, vous enfoncez les épingles et vous coupez tout ça.
Ensuite, pour continuer, nous allons faire cette partie-là. Donc je la commence de ce côté de façon à la crocheter là pour avoir une meilleure finition. Vous mettez l'épingle tout en haut ici. Ensuite, j'ai préparé 6 paires de orange et une paire de rouge. Et dedans les paires de orange, il y aura donc l'épingle à 4 sur le côté et le meneur. Donc vous avez compris que l'épingle à 4 faisait une fois sur deux guise de meneur. Alors j'ai mis toutes mes paires sur cette épingle et la paire de rouge je l'ai mis en quatrième position. Vous prenez maintenant la première paire et vous faites une tournée en point fermé. Donc point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois. Vous faites deux torsions sur les meneurs et sur l'avant-dernière paire parce que vous allez mettre une épingle à 4. Là, c'est important de bien tirer pour pas que ça fasse de boucle au niveau de l'épingle. Ensuite, donc avec l'avant-dernière paire, vous retournez vers la gauche. Point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et cinq fois. Deux torsions, une épingle. Donc je vous refais encore un aller-retour avec vous, mais ce sera la même chose jusque là, donc vous pourrez déjà faire tout ça. Donc les meneurs sont à gauche, vous allez à droite, point fermé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, deux torsions sur les meneurs, deux torsions sur l'avant-dernière paire, épingle à 4, vous reprenez l'avant-dernière paire et vous retournez vers la gauche en point fermé, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Deux torsions et une épingle. Et ainsi de suite. Donc jusque là, comme je vous ai dit, je vous reprends ici pour vous montrer la suite. Ensuite, une fois que l'épingle à 4 se termine, donc prenez sur les deux celui qui a le plus de fil et vous retournez vers la gauche. Toujours en point fermé. Ensuite, vous retournez à droite. Et cette fois-ci, vous mettez l'épingle à 2. C'est une épingle qu'il faudra crocheter quand on fera cette partie-là. Et ensuite, eh ben, ça ne change rien. Vous faites un mat, donc point fermé sans torsion. Et épingle à 2 de chaque côté. Donc vous allez faire ça jusque là. Ici le modèle s'élargit un tout petit peu. Donc éventuellement vous pourrez ajouter quelques torsions après les rouges par exemple. Vous rajoutez une ou deux torsions si vraiment ça s'élargit, ça dépend de votre fil. Et je vous retrouve ici pour faire le crochetage. Alors me voilà arrivée au bout. Donc ce que j'ai fait c'est deux torsions avant les rouges et deux torsions après les rouges. Là, mes meneurs sont à droite, j'ai mis ma dernière épingle ici, j'ai enlevé celle du milieu et je vais donc à gauche avec les meneurs qui sont à droite. Point fermé, point fermé, point fermé. Je continue à faire mes deux torsions, point fermé, deux torsions. Là, vous continuez à faire ce que vous avez commencé à faire. Et je continue, point fermé et point fermé. J'arrive en bout de rangée, je fais deux torsions. Ici, vous pouvez enlever l'épingle si vous le souhaitez, mais ça passe pour crocheter uniquement la paire de meneurs. Pour tourner à droite, point fermé, deux torsions, point fermé, deux torsions, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous allez crocheter la paire de meneurs complètement à droite. Vous faites un nœud sur les meneurs. Ensuite, tous les oranges, vous pouvez faire un nœud dessus et les laisser de côté. Et par contre, la paire de rouge ici, vous allez la crocheter sur l'épingle du milieu qu'on a enlevée.
Bon, j'arrive pas avec le trépied, donc je vais faire ça. Je vais crocheter ici. Je vais continuer ensuite à faire des nœuds sur les oranges. Et ensuite, je coupe et j'enfoncerai les épingles. Ensuite, nous allons voir comment faire cette partie-là. Donc, vous pouvez déjà mettre une épingle là et enlever les deux épingles ici. J'ai prévu 4 paires d'orange et une paire de rouge pour faire à peu près la même chose qu'ici. Donc je vais mettre 2 paires d'orange à gauche, une paire de rouge en troisième position et à droite je vais mettre 2 paires d'orange également. Je précise que les meneurs je les ai mis à gauche et je vais à droite. Point fermé, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Vous retournez à gauche, point fermé, une fois, deux fois, trois fois et quatre fois, 2 torsions, une épingle. Donc là, rien de bien compliqué, c'est un point fermé classique. Vous pouvez faire ça jusqu'au bout et on va faire le crochetage ici ensemble. Si vous voyez que le modèle s'élargit plus que la largeur donc de vos fils, vous pouvez rajouter quelques torsions autour des rouges. Alors ensuite, mes meneurs sont ici à gauche et je vais les crocheter sur le trou de gauche. Donc rappelez-vous, on a enlevé les 2 épingles. Donc sur celle de gauche, vous pouvez crocheter uniquement la paire de meneurs. Vous remettez l'épingle. Vous retournez à droite en point fermé. Vous pouvez mettre les torsions si vous en avez mis. Et vous crochetez la paire de meneurs ici à droite. Ensuite, les meneurs, vous faites un nœud dessus. Ensuite, vous prenez chaque paire une par une et vous faites un nœud dessus. Une fois que c'est terminé, vous enfoncez les épingles et vous coupez. Et pour finir, nous allons faire cette partie-là. Donc peut-être pas tout aujourd'hui, mais déjà on va avancer jusque-là et on verra. Donc pour la coquille, normalement vous devez savoir le faire avec les étapes de cours, mais on verra comment on fait pour la suite ici. Donc pour commencer, vous mettez une épingle tout en haut et vous allez pouvoir enlever toutes les épingles ici où il va y avoir du crochetage. Si vous voyez par contre que votre fil ne tient pas, vous les enlèverez au fur et à mesure. Je vais en garder une au milieu pour que ça tienne. Donc sur votre épingle du haut, vous allez mettre pour le moment les 2 paires de marron foncé que j'ai prévues. Ensuite, j'ai prévu également le marron qui est un peu plus clair ou l'orange foncé comme on veut. Et je vais en mettre en première position, deuxième position, quatrième, donc entre les deux marrons, et complètement à droite. Donc en tout, il y aura 20 fuseaux, mais on les rajoutera au fur et à mesure. Et là, vous allez prendre une paire de jaunes. Je vais la mettre en 1, 2, 3, en quatrième position, pour qu'elle tombe au milieu. Ensuite, je prends ma paire qui est tout à droite et je vais aller à gauche, en point fermé. Quand vous arrivez au niveau de la première paire, puisque c'est une épingle à 4, vous pouvez faire 2 torsions ici, point fermé et 2 torsions sur chaque paire, épingle à 4. Alors tout à l'heure, on n'a pas fait les 2 torsions avant, donc après, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Pour partir avec la deuxième paire vers la droite. Point fermé une fois, 2, 3, 4, 5. Là, vous mettez une épingle à 2 normalement. Ensuite, vous allez rajouter une épingle de soutien par ici, qu'on enlèvera par la suite.
Vous allez mettre dessus une paire de jaunes que vous allez placer juste à côté de l'autre jaune, donc en 1, 2, 3, 4, 5e position. Vous allez mettre également une paire de marron clair que vous allez placer en 3e position et une paire de marron clair que vous allez placer en 3, 4, 5, 6, 7, en 7e position. Les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé une fois, deux fois, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf. Vous faites deux torsions, mince pardon, j'ai oublié. Vous faites deux torsions ici, point fermé et deux torsions sur chaque paire. Ensuite, vous mettez bien l'épingle à 4 et vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Deux torsions, une épingle, vous pouvez enlever l'épingle de soutien. Et là, va falloir tirer vraiment tout doucement. Vous tenez bien vos meneurs d'une main et vous tirez de l'autre côté. Si vous voyez que ça fait encore des boucles, prenez l'autre meneur donc, qui est en première position, qu'on a laissé pour l'épingle à 4, et vous tirez dessus avec votre main gauche et avec la main droite, vous refaites sur chaque paire, vous tirez. Ensuite, les meneurs sont à droite, vous allez à gauche, toujours en point fermé. Trois fois. 4, 5, 6, 7, 8. Deux torsions sur les meneurs. Point fermé, deux torsions sur chaque paire. Épingle à 4. Donc vous avez compris le principe. Il faudra faire ça donc jusqu'au niveau de la coquille. Et rajouter éventuellement quelques torsions à l'intérieur si vous voyez que le modèle s'élargit trop et que votre fil ne comble pas l'espace. Là, vous repartez avec la deuxième paire vers la droite. Donc ici, c'est la dernière paire de droite que vous allez... les dernières épingles de droite que vous allez pouvoir mettre. Parce que vous l'aurez compris, ensuite, il faudra crocheter sur la partie orange, là, jusque là. Donc, à chaque fois que vous serez à droite, il faudra crocheter. Donc après, ce sera toujours un point fermé classique. Donc je vous ai dit avec quelques torsions à l'intérieur si vous le souhaitez. Et vous pouvez travailler ici jusque là. Je vous retrouve demain pour la suite. J'espère que je ne vais pas trop vite. En même temps, si vous avez pris les étapes de cours, je pense que ça doit aller. Je vous dis à très bientôt.